Et que le port autonome d'Abidjan est devenu un port partisan. Etche, 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 etche. Etche, non, c'est grave. C'est grave. Si nous, on prend le pouvoir, et à coup sûr, on prendra le pouvoir. Si nous, on prend le pouvoir, et que nous, excusez-moi, et que nous, on fait ça, et que nous, on fait ça, et que nous, on met sur le système en place, est-ce que vous serez content, chers camarades, chers frères du RADP? Si nous, on prend le pouvoir, et à coup sûr, on prendra le pouvoir en 2025, et que nous, on fait ce genre de système, et qu'on met en place un système où seulement les militants du PPACI peuvent travailler, est-ce que c'est normal? Même si vous faites votre xénophobie, même si vous faites votre séphonie, mais quand même, cachez un peu, comment tu peux créer un site d'emploi qui débouche sur les entreprises étatiques, les entreprises publiques qui appartiennent à tous les Ivoiriens, et tu mets ça à la disposition qu'à tes militants. Ça veut dire que c'est les militants RADP qui sont des Ivoiriens qui ont le droit d'avoir de l'emploi en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça là, c'est normal? Est-ce que ça, on peut faire ça à son frère? Donc maintenant, vous voulez influencer, c'est-à-dire que l'opinion des gens sur leur appartenance politique. Et on ne laisse plus quelqu'un choisir librement son parti politique. Hein. Et il veut t'obliger à aller dans leur parti. Mais personne n'ira dans votre parti. Personne n'ira là-bas. C'est pourquoi vous avez vu, pendant l'enrôlement, ils ont mis en place des personnes avec des mallettes d'argent qui récupéraient les récépissés des jeunes, moyennant les 3 000, les 4 000. On a démantelé ce réseau. Mais il y a un autre réseau que je suis en train de chercher à démanteler. À part ici. C'est un réseau à part ici. Je ne parle pas trop dessus. Mais quand je vais vous attraper, vous n'allez pas croire. Le réseau, il est à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je vais vous attraper incessamment. Je suis en train de mener mes investigations. Je vais vous attraper incessamment. Camarades, est-ce que c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal? Mais quand un président a été volé les chaussures à son enfance, quand à son enfance il a été voleur de chaussures, quand à son adolescence il a été braqueur, quand à sa jeunesse il a été voleur, brigand, mais il ne peut que se comporter comme ça. Il ne peut que se comporter comme ça, chers camarades d'Afrique. Non, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. À Doha, une entreprise marocaine. Il y a même une entreprise française dedans. Interbat. Hein? Bennett. Anader, entreprise. Non, mais c'est pas la peine. Puissance 6. Vous voyez tout comme ça? Ces entreprises-là qui signent ce genre d'accord avec l'État de Côte d'Ivoire. Mais c'est la honte. C'est la honte. Les Ivoiriens ne veulent plus de vous. Les Ivoiriens ne veulent plus de vous. Quoi que vous fassiez, ils ne veulent plus entendre parler du RADP. Ça là, c'est déjà fini. On ne veut plus de vous. On va vous montrer ça ici, déjà. Alors, camarades pédafricains, il y a quelques jours, les enseignants ont grévé. Dramo Ouattara et ses sbires ont pris des mesures de répression contre ces enseignants. Il y a certains dont ils ont suspendu carrément leur salaire. Il y a certains dont ils ont ponctionné leur salaire. Parce que ils demandent une prime d'incitation. Prime qui a été signée par Laurent Gbagbo. À cause du RDA. Les syndicalistes RDA qui ne laissaient pas le vieux en paix. Qui ne laissaient pas Gbagbo en paix. Qui manifestaient chaque jour. Qui grévaient chaque jour. Jamais de 2002 à 2010, jamais les enseignants ivoiriens n'ont terminé leur programme. Jamais. Interruption sur interruption. Grève sur grève. C'est-à-dire que quand Fessi ne grève pas, les enseignants grèvent. Quand les enseignants ne grèvent pas, il y a un transporteur qui grève. C'est-à-dire que aucun professeur, je veux dire, aucun enseignant n'a terminé son programme de 2002 qu'en 2010 à cause des grèves. Le président Gbagbo
comme il est national, il aime son peuple. Alors, il a pris le décret pour signer, pour leur donner les primes. Et la prime devrait rentrer en vigueur. Le décret devrait rentrer en vigueur en 2011. 2011, quand Ouattara prend le pouvoir, les grévistes, les mouvements syndicaux, là, eh bien, ils ont commencé à signer des trêves. Trêves avec Kanya Camara. Ils signent trêve avec tel. Ils signent trêve avec tel. Et aujourd'hui, les gens ont pris leur courage à deux mains et ils ont grévé. Ils ont ponctionné les salaires. Ils les ont réprimés. Aujourd'hui, ils reçoivent les petits filles ouraouraouraou de la France. Là. Ceux qui vont montrer leur forme aux gens. Miss France. 30 candidats de Miss France. Ils ont mobilisé. C'est-à-dire qu'un accueil. Un accueil. Même quand. C'est-à-dire que je ne comprends pas mon pays. Souvent, moi, je me dis, j'ai honte d'être Ivoirien. Parfois, quand tu es premier pic, on dit que tu es Ivoirien. Tout à l'heure, tu dis, c'est compliqué. Parce qu'avec ce gouvernement, c'est compliqué. Vous avez vu l'accueil qu'ils ont réservé aux petits filles ouraouraouraou là? L'accueil qu'ils ont réservé aux petits filles. Mais ce n'est pas moins de 10 milliards qu'ils vont mettre dans. C'est-à-dire qu'ils vont mettre dans ce séjour avec ces petites filles. Pendant que 10 milliards, ça peut payer beaucoup. Ça peut payer les primes de ces gars-là pendant au moins 10 à 15 ans. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, là, ça peut payer les primes pendant 10 à 15 ans. Les femmes, les mères, les mamans dont vous cassez leur maison, ça peut les reloger. Ça peut construire cité pour eux. Ça peut construire immeuble pour eux. Vous ne faites pas ça. Que dans le matu vu, vous êtes des maudits. Que Dieu vous maudisse chaque matin. Chaque matin, chaque midi, chaque soir. Que Dieu vous maudisse. Vous là. Quand on va vous enlever là. On va mettre audit dans vos culs. On va mettre audit dans vos culs. Vous allez comprendre que. Et qu'on ne vole pas l'argent des Ivoiriens comme ça. Les petits Ivoiriens. Qui vous a dit de les recevoir? Et puis d'ailleurs, on n'est pas à l'aise, ça ne va pas. Faut croire que ça va. Combien d'entre, même ce soir, il y a un jeune Djula qui m'a envoyé des vidéos pour me demander de l'aider à faire savoir le problème qu'ils ont. Ils sont près de 500 personnes qui ont été limogées par un Libanais. Sans payer leurs droits. Ils sont au chômage. Les personnes se font arnaquer par-ci, par-là. Le pays va mal. Mais malgré ça, ils préfèrent verser dans le matu-vu, dans les fanfaronnages. Dieu vous voit. Un jour, c'est Goumier qui va vous cogner vous. Goumier. C'est Goumier qui va te cogner un jour. Puis tu vas comprendre. Comme un peu d'Afrique, on progresse petit à petit. Alors, je vous demande ici de continuer à partager la vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à mon TikTok à partir du cœur qui est en haut là. Le cœur qui est en haut là. Abonnez-vous. C'est un seul cadeau. Ça va vous permettre de recevoir toutes mes vidéos, toutes mes notifications. Voilà. Alors, chers camarades peu d'Afrique, l'heure est grave. L'heure est grave. Est-ce que vous savez que les gens de Bitogo là, quand ils vont trouver les femmes, les vendeuses ambulantes là, eh bien, vous voyez certains, ils les ramassent, ils les mettent dans leur véhicule pour les envoyer quelque part. Eh bien, quand ils arrivent dans leur caserne, ils vont les frapper. Vous avez vu, il y a une vidéo qui a circulé, il y a une femme qui était couchée, puis tous sont derrière, tout était brûlé là. C'est eux qui ont fait ça. Les gens de Bitogo là, c'est des pervers narcissiques. Je demande à Mamadou Doumbia, je te demande de sévir contre Dramane Ouattara. C'est vrai que ton ambassadeur a demandé à ce que l'enquête aboutisse, mais je te demande de sévir contre Dramane Ouattara. Dramane Ouattara est un meurtrier. C'est vrai que ces gens-là se croient tout permis dans ce pays. Pour eux, ils ont le droit de vie ou de mort sur tout Ivoirien. Mais vous n'êtes pas Dieu. Moi, je vous dis ça. Vous n'êtes pas Dieu. Non, vous n'êtes pas Dieu.
Vous n'avez pas le droit de vivre de mort sur les Ivoiriens. Jamais de la vie, vous aurez ce droit sur les Ivoiriens. Jamais de la vie. Comment? Comment? Écoutez cette vidéo, chers camarades d'Afrique. Écoutez attentivement. Bipez les Guinéens. Bipez-moi tous les Guinéens que vous connaissez. En Côte d'Ivoire, autour d'une affaire de violence policière présumée, des vendeuses ambulantes guinéennes accusent des agents de la brigade de la lutte contre le désordre urbain de séquestration et de torture. Malgré le démenti du district, l'affaire a pris une tournure diplomatique. Reportage de Julia Bouguenay. Irène et Gérard de l'association Abba Afrique qui vient en aide aux femmes et enfants victimes de violences sont venus recueillir le témoignage de ces deux vendeuses ambulantes guinéennes. En effet, des femmes accusent la brigade contre le désordre urbain de les avoir séquestrées et battues, parfois à plusieurs reprises, au cours du mois d'octobre, dans un lieu proche du commissariat de Kumasi. Donc, on vous enferme jusqu'à pas de 19h. C'est en ce moment, maintenant, si j'ai eu 13 personnes, si j'ai eu 10 personnes, on lui dit de sortir. On dit tout le monde n'a qu'à s'abaisser. Maintenant, ils vont commencer à frapper. Donc, frapper comment? Frapper comment, le corps. C'était à l'heure sous-côte qui est sur le coup de chien. Puis leur gros tonton qui est grand, qui taille, il est gros comme ça. Lui son sous-côte là, c'est comme si parasol, fait de parasol. Donc ils sont arrivés bois là. Bois de madame là. La manière que le médecin imaginait là. Ah, quand même. Et puis ils ont fini de me frapper là. Ils disent, il faut le déshabiller. La brigade contre le désordre urbain que ces femmes mettent en cause a été créée au mois de juillet 2024 par le district d'Abidjan. Nous filmions à l'époque ces méthodes musclées pour assainir la ville en empêchant mendiants et commerçants ambulants d'occuper l'espace public. Dans un communiqué, le district a assuré qu'après vérification, ces accusations ne concernaient pas ces hommes. Il affirme également que des personnes malsaines se font passer pour ces agents. Ce que je sais, c'est que à plusieurs reprises, plusieurs dames ont été interpellées par des individus en véhicule de patrouille et ont été conduites dans un même lieu. Ce ne sont pas des individus isolés. C'est des individus qui appartiennent à une structure bien organisée, n'est-ce pas, qu'on peut retrouver, qu'on peut localiser, qu'on peut identifier. Cette affaire a été révélée après le témoignage de Véronique, une autre vendeuse ambulante guinéenne. Une vidéo où apparaissent ses graves blessures a récemment circulé sur les réseaux sociaux. En tout, 6 femmes ont porté plainte. L'enquête qui devra notamment déterminer si leurs bourreaux sont bel et bien des policiers est toujours en cours. Voilà, et sachez que l'ambassadeur de Guinée à Abidjan a saisi les autorités ivoiriennes pour faire avancer le dossier. Vous avez compris ça. Ils prennent les femmes, ils vont les séquestrer. Le soir, ils les font sortir, ils les font coucher, et puis ils les frappent et ils les filment nus. Ça, c'est le travail de Bitogo, ça. Bakongo, ça. Mais c'est un pervers. C'est un pervers. Il cherche un garçon. C'est pas moi qui dis, hein. C'est un Wubi qui a dit ça. Il couche avec un garçon, lui. Bitogo, Bakongo, que vous voyez là. Un délinquant. Quand tu le vois, tu sais qu'il fume drogue. Quand tu vois Bitogo, Bakongo, tu sais que lui-là, c'est un fumeur de drogue. Pourquoi dire comme ça? Moi, je pense que Mario Doumbia doit non seulement lancer un mandat d'arrêt contre ce gars. Mario Doumbia, moi je te dis, hein, Bitogo là, Bakongo là, il faut lancer un mandat d'arrêt contre lui. Si tu l'attrapes, il faut le séquestrer, tu as le poté. Ben, c'est les Guinéens, c'est sur les Guinéens, il est méchant. Je ne sais pas, ceux-là même, la xénophobie l'a quitté vous-même. Les gens du RDL. Je ne comprends pas. Eux là, leur xénophobie s'est quittée où? Les populations de la CDAO se sont mis avec vous depuis 2002. Non, 2002, c'est pas ça. Depuis 90, ils sont avec vous. 94, quand Dran Ouattara prend la tête du RDA. Depuis 94, ils sont avec vous. Ils vous ont soutenu. Ils ont milité pour vous. Dans la guerre, là. 2002, là. Ils se sont enrôlés dans la guerre. Pour vous. Ils ont fait rentrer les armes à Abidjan pour vous. Ils ont pris les armes à Abidjan pour vous. Ils ont pris des cocktails Molotov ici, là. Pour affronter l'armée ivoirienne pour vous. Et aujourd'hui, subitement, vous les détestez. Subitement, comme ça, vous les détestez. Stéphane Tia, sois salué. Oxymo, sois salué, mon frère. Emmanuel, sois salué. Hein? Subitement, comme ça, vous les détestez. Vous l'avez vu, non?
Vous avez aidé, non? Vous avez aidé? Bon. Vous avez aidé, non? Donc, moi, je demande à Malou Doumbia de prendre cette affaire au sérieux. Parce que c'est les Guinéennes qui sont ciblées par Dran Ouattara ici, par Bakongo ici. C'est vrai que l'ambassadeur a demandé à ce que l'enquête avance, mais quand même, toi-même, là, il faut t'impliquer. Parce que elles ne pourront plus vendre dans le pays. Là. Elles ne pourront plus vendre. C'est grave. Le pays, c'est grave. C'est grave, chers camarades. Pendant qu'on maltraite nos soeurs africaines, on accueille en fanfare des petits chouins. Des petits gos façon. Commis. Oh, bon.